أنا اليوم سعيد باستقبال زميلتي وصديقتي كاترين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الجمهورية الفرنسية. كاترين كولونا كتعرف المغرب وجات له في أكثر من مناسبة وبصفات مختلفة، ولكن هذه أول زيارة لها كوزيرة الخارجية الفرنسية إلى المغرب، لهذا فهذه الزيارة هي مهمة ومهمة جدا باعتبارها أول زيارة للسيدة الوزيرة إلى المغرب. مرة أخرى مرحبا بك في هذه الزيارة. الزيارة لها أهمية خاصة كذلك من منطلق أنها تأتي في إطار تحضير للقاءات على أعلى مستوى بين البلدين خلال بداية السنة، خلال 3 أشهر الأولى من السنة المقبلة، وتأتي كذلك من منطلق الأهمية الخاصة ليوليها جلالة الملك محمد السادس للعلاقة التقليدية المتجذرة مع الجمهورية الفرنسية. لقاءنا اليوم كان مناسبة باش بتعليمات من جلالة الملك ومن فخامة الرئيس باش نشتغلوا على التحضير لهذا الاستحقاق اللي غيكون على أعلى مستوى، ولكن كذلك كان مناسبة باش نشوفوا واقع العلاقة بأسسها الصلبة، بمظاهرها المتعددة والمتنوعة، ولكن كذلك ببعض الإكراهات اللي مرة كتواجهها وكيفية التعامل معها. كنظن بأن نقاشنا اليوم حول العلاقات الثنائية وضح بأن هناك تطابق في وجهة النظر، تطابق حول الرؤية لتطور هذه العلاقة انطلاقا من تعليمات جلالة الملك محمد السادس، ولكن كذلك بين بأن هناك طموح مشترك لهذه العلاقة وكيفية تطويرها. تحدثنا كثير حول الجوانب المختلفة اللي يمكن تشكل قاعدة لتطوير العلاقة، وتحدثنا كذلك حول كيفية إعادة إحياء آلية التعاون سواء الموجودة بين وزارتي الخارجيتين أو الآليات التعاون والتنسيق المختلفة بين البلدين. كان الاجتماع كذلك مناسبة باش نتحدث على بعض القضايا الإقليمية اللي كتهمنا خاصة في غرب إفريقيا وفي الساحل، وغادي نتحدث أكثر حول القضايا الإقليمية بعد قليل كذلك في غداء العمل اللي غادي نديره، لأن بين المغرب وفرنسا كاين كذلك رهانات مشتركة وكاين تحديات مشتركة في مناطق مختلفة من العالم اللي تعاملنا كيكون فيه نوع من تبادل وجهات النظر، وفي بعض الأحيان نوع من التنسيق كذلك حول مجموعة من هذه القضايا سواء في منطقة شمال إفريقيا في الشرق الأوسط أو في القارة الإفريقية. إذن فهذه واحد المحطة مهمة في أفق تحضير الاستحقاقات المقبلة وفي أفق القفزة النوعية لكي ينتظر الجميع في العلاقات الثنائية. شكرا. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, cher Nasser, mesdames et messieurs, de mon côté, je voudrais dire tout d'abord, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui au Maroc, un grand pays, un pays ami, et pour la France, un partenaire d'exception, un pays avec lequel nous avons tissé au fil des siècles, le ministre le disait, une relation d'une densité, d'une qualité exceptionnelle. Je crois même pouvoir dire qu'entre Français et Marocains, il y a quelque chose, on dit souvent, de singulier, mais d'unique, spontanément. Et c'est une relation qui ne se compare à aucune autre. Et donc je voudrais commencer, chers amis marocains, par dire mon respect et mon amitié pour le Maroc, mais aussi par adresser mes félicitations à l'équipe marocaine
Elle a fait un remarquable parcours et elle a fait aussi mercredi soir un très beau match. Et je suis sûre que ça n'est que le début de nouvelles et belles aventures pour le football marocain. Donc faites comme nous, vivez vos rêves. Voilà, et tous nos voeux vous accompagnent. Je suis sûre que c'est une équipe qui ira très loin. Certains d'entre vous le savez, mais le ministre vous l'a dit, je suis souvent venue dans votre pays, dans des fonctions officielles diverses ou à titre privé, et toujours avec joie. C'est en effet la première fois que je me rends au Maroc en tant que ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Je veux dire à quel point j'ai été touchée par l'accueil amical, chaleureux que m'a réservé mon homologue, M. Nasser Boukhouta. Donc je le remercie. Et nous sortons en effet tout juste de consultations très riches, approfondies, au cours desquelles nous avons échangé sur de très nombreux sujets, et nous continuerons. J'ai pu constater notre très grande proximité de vue sur beaucoup de dossiers, mais je voudrais, devant vous, pour me concentrer sur l'essentiel, retenir surtout les deux grands principes qui, je crois, résument bien là où nous en sommes aujourd'hui dans cette relation et là où nous voulons aller. Et c'est d'abord une volonté commune qui est de se projeter vers l'avenir. Et c'est ensuite l'existence, nous l'avons constaté une nouvelle fois, de très fortes convergences entre nos deux pays qui seront autant de points d'appui vers cet avenir en commun. Quelques mots sur chacun de ces deux grands principes. Projection vers l'avenir, tout d'abord. Le ministre vous l'a dit, ma visite aujourd'hui acte la volonté commune du Maroc et de la France de se projeter ensemble vers l'avenir, conformément à la volonté exprimée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI et le Président de la République française. Ils l'ont fait à nouveau lors de leur entretien téléphonique de substance le 1er novembre. Ils l'ont fait également, sachez-le, mercredi soir. Je ne trahis aucun secret puisque je crois que cet entretien est déjà connu de vous, mais je voulais le citer devant vous. Alors l'étape suivante, ce sera la visite d'État du Président de la République française au Maroc, à une date qui reste à finaliser, mais qui sera proche, disons, premier trimestre de l'année qui va s'ouvrir dans très très peu de temps. Cette projection vers l'avenir, c'est de notre responsabilité commune pour forger des relations qui soient bénéfiques à nos deux pays, mais les forger, nous en avons beaucoup parlé avec le ministre, pour les 10 ou 20 ans qui viennent, et pas seulement pour aujourd'hui. Il nous faut voir loin et nous voulons voir loin. Cette projection sur l'avenir se fera grâce à un dialogue de la même qualité que celui que nous avons eu aujourd'hui, c'est-à-dire un dialogue respectueux, des échanges nourris, ouverts. Et nous sommes tous deux, le ministre et moi, dans un esprit très constructif à cet égard. Je souhaite d'ailleurs, et pour illustrer peut-être mon propos, mentionner devant vous un sujet qui nous a occupé un peu ces derniers mois. Sachez que nous avons pris des mesures avec nos partenaires marocains pour la reprise de l'activité consulaire normale. Et j'ajoute que c'est fait. Et pour restaurer une relation consulaire complète entre nos deux pays. Notre objectif est bien de rehausser les échanges humains entre le Maroc et la France, de favoriser encore davantage cette imbrication profonde de nos sociétés qui fait que cette relation est si singulière. Le capital humain qui existe entre nous est un atout pour notre pays. Et donc ces échanges sont et resteront le socle de notre relation bilatérale, sont moteurs pour l'avenir, puisque je veux vous parler d'avenir, et j'ajoute que je suis heureuse d'avoir pu y prendre ma part. Plus généralement, et au-delà de ce sujet, la densité du partenariat franco-marocain ne s'est jamais démentie, ni tarie ces dernières années, et ce dans tous les domaines, domaines économiques, culturels, éducatifs, sécuritaires, universitaires, il y en aurait bien d'autres à citer. Alors nous sommes convenus d'approfondir encore notre travail conjoint pour lancer de nouvelles pistes de coopération allant au-delà de celles qui nous unissent aujourd'hui, et donc dans des domaines clé pour le Maroc comme pour la France. Et bien sûr, comme le ministre vous l'a dit, nous souhaitons progresser à bon rythme
pour permettre à la visite d'État du président de la République de marquer cette ambition que nous avons pour nos deux pays. Voilà pour le premier point. Je vous parlais de convergences que nous avons pu constater à nouveau ce matin. Elles sont réelles, elles sont importantes, elles sont grandes même, dirais-je, sur de nombreux sujets. Sur les questions internationales, nous en parlerons encore tout à l'heure, mais nous avons commencé de les aborder. Le Maroc et la France sont à l'unisson. Le partenariat franco-marocain peut d'ailleurs être un moteur dans le traitement de certains des défis qui sont devant nous. Tout ce qui a trait aux questions globales, évidemment, nous avons des visions et des ambitions très proches et pouvons agir en commun, mais aussi tout ce qui a trait au continent africain. Nous avons abordé un certain nombre de situations. Sur la lutte contre le changement climatique, sur l'amélioration de la sécurité alimentaire dans le monde, sur les questions énergétiques, sur des questions si importantes désormais de croissance durable, durable et inclusive, nous y sommes attachés des deux côtés, de lutte aussi hein, contre le terrorisme, la radicalisation, surtout les enjeux de transition écologique, je pourrais en citer beaucoup d'autres. Nous faisons le constat que nous avons énormément à apporter l'un à l'autre et nous souhaitons donc utiliser ces convergences dans le cadre de la préparation de la visite d'État et pour que la visite d'État permette de se situer au niveau d'ambition que nous souhaitons pour nos deux pays. Et j'ajoute que, au-delà des simples relations franco-marocaines, dans ce monde complexe, pour ne pas dire dangereux, incertain, qui est la réalité du monde dans lequel nous évoluons, ces convergences sont importantes. Nous devons les utiliser, nous devons nous appuyer l'un sur l'autre et nous avons décidé de le faire. Et ce partenariat franco-marocain, vous voyez qu'il est profondément ancré dans une vision du monde que nous partageons, un attachement au respect de nos valeurs, au respect du multilatéralisme, au droit international. Et c'est là aussi un atout dont nous devons nous servir. Et donc en résumé, je dirais que notre volonté est simple, c'est d'être dans une relation de partenariat, je reprends le qualificatif exemplaire avec le Maroc, un partenariat d'exception, un partenariat fraternel et un partenariat moderne. Et nous savons, le ministre en disait quelques mots tout à l'heure, nous savons que cela suppose des deux côtés aussi de nous adapter aux attentes légitimes du Maroc qui s'est profondément transformé, qui continue de se transformer et qui joue un rôle majeur aujourd'hui en Méditerranée, en Afrique. Et de lui proposer ce que la France, qui elle-même se réforme, s'adapte, se transforme, qui elle aussi a changé profondément, lui proposer ce que nous avons de meilleur pour construire un partenariat où nous pouvons agir ensemble. Et donc, c'est bien cela le sens de la visite d'État sur laquelle nous allons travailler, le ministre et moi-même, mais aussi toutes nos équipes des deux côtés de la Méditerranée. Donc, nous sommes déterminés à aller plus loin et d'écrire ensemble une nouvelle page où le Maroc et la France s'appuient l'un sur l'autre puisqu'ils ont besoin l'un de l'autre, nous le savons, aussi bien pour nos relations économiques que pour notre sécurité, pour promouvoir nos valeurs et pour répondre aux attentes aussi de nos citoyens, de nos jeunesses, de nos deux pays. Voilà en quelques mots, et je suis bien sûr, comme le ministre, à votre disposition si vous avez des questions. Merci, monsieur le ministre. Les ministres ont accepté de prendre quelques questions. Bonjour, Delphine Twitou de l'agence France Presse. Une question pour vous deux, s'il vous plaît. Je voulais savoir si vous aviez abordé la question du Sahara occidental et si oui, pouvez-vous nous en dire quelques mots? Est-ce que la France est prête à reconnaître la marocanité du Sahara occidental? Je vois que monsieur le ministre me laisse répondre la première, mais il complétera puisque vous avez adressé votre question, madame, aux deux ministres, je crois. La position de la France est bien connue du Maroc comme de tous nos amis. J'ai tenu à la rappeler ce matin auprès de l'un de vos confrères et c'est une position qui a le double mérite d'être à la fois claire et constante. Nous soutenons le cessez-le-feu, nous soutenons les efforts
de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies. Et nous souhaitons, ça n'est pas nouveau non plus, la reprise des négociations entre les parties en vue d'une solution juste et réaliste. Et donc dans ce cadre, et on l'a mesuré les années passées, avec constance, je le redis, la position de la France aux Nations Unies, en particulier pour le renouvellement du mandat de la MINURSO, a été, je crois pouvoir le dire, appréciée du Maroc. Et si votre question porte en complément, madame, sur le plan d'autonomie proposé par le Maroc, il y a déjà quelques années, eh bien depuis quelques années, là aussi je crois que notre position est parfaitement connue de notre partenaire et ami marocain, c'est une position dont je peux dire qu'elle est favorable au Maroc. Nous l'avons démontré en particulier aux Nations Unies, même lorsque nous étions un peu seuls à vouloir faire progresser quelques idées. Et donc nous ne changeons pas. Et le Maroc sait qu'il peut compter sur l'appui de la France, en particulier dans un moment où les tensions étant revenues et quelques entorses au cessez-le-feu ayant été constatées, eh bien il faut donner clairement cette direction. Nous le faisons et nous le répétons. J'ai tenu à le répéter encore aujourd'hui. Bien sûr, c'est une question que nous discutons, mais ce n'est pas une question qui domine nos discussions. La France, je pense, est consciente de l'importance de la question du Sahara marocain pour ce Maroc, absolument, pour le peuple marocain, absolument, et pour les forces vives de la nation marocaine. La France a eu, et depuis le début, elle était pionnière dans l'appréciation et le soutien au plan d'autonomie. Madame la ministre a parlé pour la relation bilatérale d'un besoin d'adaptation et de rénovation. Le dossier lui-même, le dossier du Sahara, a connu récemment des évolutions importantes. L'environnement du dossier du Sahara, l'environnement régional, géopolitique, a lui-même connu des évolutions. Et ces évolutions, sans remettre en cause des fondamentaux auxquels le Maroc est attaché. Le Maroc n'est pas pour une solution dehors de l'ONU. Le Maroc n'est pas pour une solution imposée. Mais le Maroc considère qu'il est temps de définir des positions par rapport à l'objectif des processus onusiens, pas par rapport aux processus eux-mêmes. Les processus ne sont pas un objectif en soi. Les processus doivent nous amener à une solution. Et il est fondamental que des pays qui sont proches de cette région, qui ont une très bonne connaissance de ce dossier, puissent contribuer à la définition de cette zone d'atterrissage ou de cette perspective de solution. Et bien sûr, les trois dernières années, grâce à l'action menée par Sa Majesté le Roi, il y a eu des évolutions fondamentales dans les positions de pays proches de la France, des pays, soit géographiquement, soit politiquement. Mais comme je l'ai dit, la France a toujours été pionnière et le besoin d'adaptation est peut-être là aussi sur la table et peut être examiné. Mais le Maroc n'a jamais considéré que la position de la France est négative, au contraire. Bonjour, Samir El-Ouaziri pour Média 24. J'ai une question, si vous le voulez bien, pour chacun d'entre vous. Madame Colonna, vous nous avez dit que votre visite, en quelque sorte, signait un retour à la normale sur la question des visas. Est-ce que les consulats français, concrètement, vont se remettre à délivrer des visas sans aucune... sans restriction, comme c'est le cas depuis septembre 2021. Pardon, je vais en profiter pour ma question pour Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, un petit mot sur cette crise qui empoisonne les relations depuis un an. Un petit mot, juste un an après. Et est-ce qu'il y a eu une contrepartie pour faire évoluer les choses ? Merci.
Monsieur le ministre, avec votre autorisation, je répondrai à la première question puisqu'elle m'était adressée. Je vous ai dit tout à l'heure, et je le confirme volontiers, monsieur, que nous avons fait ce qu'il fallait pour reprendre une activité consulaire normale. Je crois même avoir ajouté « c'est fait ». Voilà, donc je vous le confirme volontiers, c'est fait. Et donc, pour faire encore plus court et encore plus clair, mais je pensais avoir été clair, la réponse à votre première question est « oui ». Alors sur cette, d'abord, sur cette question, trois ou quatre points. Le premier, c'est que lorsque les mesures unilatérales ont été prises, le Maroc s'est interdit de commenter, le Maroc officiellement s'est interdit de commenter par respect à une décision souveraine et unilatérale prise par les autorités françaises. Bien sûr, il y a eu des réactions, disons populaires, ou des gens qui sont concernés, et je pense que tout le monde a suivi ça. Aujourd'hui, la décision de reprise est une décision, encore une fois, unilatérale, que le Maroc, encore une fois, respecte et ne commentera pas officiellement, mais c'est la normale dans la relation, et Madame la ministre a évoqué cette dimension humaine qui est fondamentale pour nos relations. Mais une décision unilatérale au début, encore une fois une décision unilatérale qui va dans le bon sens, et tant mieux. Sur crise, je ne pense pas que il n'y a pas de crise maroco-française. Madame la ministre l'a expliqué. Il y a le besoin de rénover, d'adapter cette relation. Grâce à la vision de Sa Majesté le Roi, le Maroc a évolué en interne, économiquement, politiquement, etc. Le Maroc a beaucoup évolué grâce à cette vision royale au niveau interne. Grâce à la vision royale, le Maroc a également renforcé son déploiement à l'international, son protagonisme à l'international, et a diversifié ses partenariats. Est-ce un handicap, est-ce un atout pour la relation? Nous le considérons comme un atout pour la relation. Le Maroc a changé en interne et dans son déploiement à l'international. L'environnement, la France, Madame la ministre l'a dit, a changé. Et l'environnement, notre environnement régional, notre environnement géopolitique a changé. Cette relation ne peut pas, tout en gardant ses fondamentaux solides, a besoin de tenir compte de ces évolutions. Et dans ses mécanismes, dans son approche, dans son contenu, la relation doit s'adapter à ces évolutions, doit tenir compte de ces évolutions. Et comme je l'ai dit, un Maroc plus fort en interne, avec plus de protagonisme à l'international, avec une diversification des partenariats, ce n'est pas un handicap pour la relation maroco-française, au contraire, c'est un atout pour la relation maroco-française. Madame la ministre l'a dit, la relation maroco-française a des bases solides, a une spécificité incomparable avec d'autres, mais qui doit s'adapter à ces évolutions du Maroc et du contexte et de la France. De côté. Merci. Je l'ai dit, et vous voyez qu'on aborde cette adaptation nécessaire, au demeurant, dans un esprit positif, constructif et je dirais même volontariste. Oui, c'est un atout de voir que le Maroc a pu évoluer, a pu développer aussi dans la région et au-delà un rôle qu'il n'avait pas il y a quelques années. Nous-mêmes, nous nous transformons, nous nous réformons. Et donc, il faut évidemment s'adapter, c'est un phénomène naturel, et c'est ce qui permet de placer notre relation pour décennies, mais disons déjà 10 ans qui viennent, sur un haut niveau de qualité, plus moderne, tel que la situation d'aujourd'hui le requiert, et les défis d'aujourd'hui le requièrent. C'est bon ? Merci beaucoup. Merci de votre intérêt.